vraiment un grand soulagement, un grand plaisir de se retrouver ici sur la place du château pour enfin pouvoir fêter la fête nationale le 14 juillet. Là, nous sommes le 13, mais c'est vraiment un immense plaisir pour nous de pouvoir accueillir les Valloniaises et les Valloniers et toutes les personnes du Cotentin, de notre territoire, pour fêter cette fête nationale, mais aussi pour ce feu d'artifice, mais avant le feu d'artifice, pour un concert magique, un concert qui emballe la population. Cette année, on n'a pas pu faire le critérium cycliste, on le regrette, mais peut-être que ça reviendra. Nous avons déjà lancé, si je puis dire, l'été avec les concerts en Valloniers qui ont repris cette année pour la première fois depuis longtemps. Et puis nous allons accueillir dans quelques jours maintenant la semaine fédérale internationale de cyclotourisme qui va, je crois, accueillir plus de 6000 personnes. C'est vraiment un grand, grand bonheur de pouvoir se retrouver comme ça. Le 28 juillet, nous allons refaire la fête ici sur cette même place du château pour la semaine fédérale internationale de cyclotourisme et nous aurons à nouveau un feu d'artifice et puis d'autres surprises. Mais là, il faudra venir nombreux pour assister à ces festivités parce que je crois qu'il y aura vraiment, du plaisir à prendre. À bientôt sur tevie.tv.